couper ou quelque ouais, chose? Je pourrais Ah, ok, couper. très bien. Il faut que je ferme ou... Cette année, c'est en fait différents états d'esprit des joueurs et le staff et tous les gens au club et dehors du club, supporters et tout ça. Donc, on a une différence en fait. Derniers 12 ans, depuis que je suis là, on était en bas, on a toujours se battre pour le classement au tableau, rester en Ligue 1 et tout ça. Cette année, c'est, ça fait plaisir jouer vraiment et il faut profiter très bien. Je trouve que c'est une très bonne saison de tous les joueurs, nouveau staff et nouveaux joueurs aussi qui sont venus cette saison. Et je pense qu'on fait début d'une belle histoire de Orsini. Nice. Oui, toujours, toujours. Mais bon, c'est un peu difficile là-bas. Il y a vraiment une concurrence, une grande concurrence. C'est pas question de qualité, c'est sûr. Mais après, c'est juste un choix de le sélectionner. Moi, je sais que j'ai qualité pour jouer. J'ai joué déjà avec les joueurs qui sont déjà là-bas. Et voilà, juste j'espère un jour qu'il va m'appeler. Je sais que le championnat français, il n'est pas très très populaire à Serbie. Donc il regarde plus Angleterre, Italie, Espagne, donc Allemagne aussi. Donc voilà, j'espère un jour. C'est mon désir, comme tous les joueurs, pour jouer pour son sélection. Quand j'étais petit, il y a déjà, ça commence différent, qualité aussi, différents projets de foot et tout ça. Donc il y a l'ancienne, vraiment, vraiment, comment dire, legend. Donc, ils sont vraiment grands. Par exemple, Dragan Djajic, qui a joué à Étoile Rouge. Aussi, Bjekovic, qui était là. Pour l'instant, je suis bien là. J'aime bien Jeseni, je suis bien installé. J'ai pris langue, bon, pas très bien, mais, mais je pense après 3 ans, je parle bien. Donc, j'aime bien la ville aussi. Donc, c'est très bien. Mon objectif, c'est aussi jouer sur encore la prochaine année et après, bien sûr. Nouveau stade et tout ça, donc j'espère qu'on va finir dans l'Europe. On joue pour ça maintenant, donc j'espère que ma carrière il va finir aussi à Jeseni un jour. Vraiment, je peux dire, une ville rare dans l'Europe, qui est vraiment très touristique aussi. Il y a trop de monde, comme on dit, le soleil, tout ça, la plage. Il y a une belle équipe aussi, au Jeseni. Donc, c'est vraiment une ville rare où vous pouvez jouer, faire votre métier et avoir plaisir à côté. Ça fait plaisir vraiment jouer ici. Bon, je suis arrivé à France, je ne savais pas même un mot. Donc voilà, je pense que j'ai progressé bien. Je vais progresser encore, j'espère, dans le futur. Et peut-être un jour, si j'ai l'opportunité, avoir un diplôme d'université. Ça, c'est mon désir, si je vais rester encore 2-3 ans ici. Oui, avec ma famille, je vais là-bas 2 fois par an, quand on a vacances en décembre et en juin. Donc des fois, eux, ils viennent ici, chez moi. C'est un peu compliqué parce qu'on est un peu loin, mais bon, toujours il y a
téléphone, Skype, donc Internet, c'est toujours à contact, c'est normal. Et une fois, comme vous avez dit, c'était mon père et frère et ma mère qui sont venus au stade. J'espère qu'il va venir encore. Déjà, j'ai parlé avec un ami, je lui ai dit que peut-être à la fin de ma carrière, peut-être je vais habiter ici à Nice. Donc, c'est pas sûr, mais on verra comment il va. Comme il va à la carrière et tout ça, donc ça dépend de toute ma carrière, donc ça verra. On a gagné 3-0, c'était très, très important, 3 points pour nous extérieurs contre une belle équipe Rennes. Donc voilà, on a fait un grand effort pour gagner ce match. Et voilà, c'est comme je dis, 3 points, c'est très important au classement. Et pour jouer un peu plus, ça donne aussi confiance pour le prochain match à Evian. Moi, je trouve que ça va être plus difficile à Evian qu'aujourd'hui à Rennes. Bon, à la fin, c'était un peu difficile de recevoir un carton rouge que dernière minute. Moi, je trouve pas. C'était faute et carton rouge. Mais bon, c'est comme ça. J'étais dernier joueur. Même Ospina, il avait déjà ballon dans la main. Donc voilà, c'est une situation difficile. Mais bon, j'espère qu'il ne va pas me donner plus qu'un match.